Ah, l'amour du maillot. C'est un terme qui me tient à cœur. L'amour du maillot, c'est... C'est après ce que vous faites à partir de 15h. Essayez de bien jouer dedans, de prendre beaucoup de plaisir et d'en donner aux gens. Voilà, c'est un maillot très particulier. Oh, c'est pas de la gloire rugbystique, ça. Mais c'est de l'histoire rugbystique. Le jubilé de Roger Couder, c'est quand il s'est retiré que des internationaux sont venus jouer pour lui, et un match de bienfaisance pour lui, d'abord pour le remercier de l'homme exceptionnel qu'il avait été et qu'il était, et qui a mené une note très, très, très dans le ton du rugby d'époque, et qui pour nous a été le promoteur numéro 1, et l'aboyeur aussi numéro 1. Et qui a inventé des événements énormes. Je vois ce France Springboks qui s'était joué il y a un demi-siècle, c'était en 61, où les Box avaient gagné 30 matchs consécutifs. Ils avaient battu toutes les nations, et ils arrivaient des pays britanniques, où ils avaient battu tout le monde, les Écossais, les Gallois, les Irlandais, les Anglais. Et donc ils étaient venus invaincus chez nous. Et Couder avait eu cette force de caractère et de... On dit qu'il a cassé les pieds à ses patrons, mais pas loin. Il avait, vous savez, attention, n'oubliez pas, il va y avoir le match du siècle. Mais qu'est-ce que c'est, ce match du siècle? Vous en faites pas, ça va être terrible, il va y avoir des morts et tout. Vous croyez? Ah bon, ouais, ça va être terrible. Et alors, il était invité à tous les journaux, il était bien passé. Tous les journaux, il était sur place. Mais les journalistes qui présentaient le journal à l'époque... se battait pour avoir Roger dans le journal. Et lui, il faisait monter la mayonnaise jusqu'au jour où est arrivé ce fameux match du siècle. Il n'y a que nous qui ne pensions pas à ça, sauf que 3 ou 4 jours avant, dans la rue, on nous interpellait. Alors, ce match, ça va être terrible, hein? Ouh là là. Mais à tel point que même nos parents nous disaient, attention, mais regarde où tu mets les pieds. Mais non, mais c'est des sauvages, quoi, ces gens-là. Mais non, c'est pas des sauvages. Oh, mais Couder, attention, il a dit qu'il allait y avoir des morts. C'était fou. Et la mayonnaise a pris comme ça, et on s'est retrouvés à l'hôtel Louvois, au rendez-vous, toujours pareil, la veille, et on n'avait pas le droit, ensuite le board interdisait qu'on se réunisse 48 heures avant le match. Ou la limite était 48 heures avant le match. Et là, on a été pris tous d'une certaine mission, et on a cru couvrir nous aussi à l'affaire, et alors on était très concentrés, très préparés, très motivés. Et à tel point qu'on ne se parlait presque pas la veille du match, on se faisait des signes, on faisait et on ne se parlait presque pas. Moi, je n'ai jamais connu une motivation comme ça. Par la suite, cette génération a été gâtée. On a eu voyagé, on est parti après, hein, en Nouvelle-Zélande et compagnie. Mais ça ne fait rien. Cette motivation-là, moi personnellement, pour d'autres grands matchs que j'ai eu joués par ailleurs, je n'ai jamais ressenti une même motivation qui était venue par la presse, qui avait emboîté le pas. Donc, tout ça, c'était M. Couder, c'était Roger qui avait fait ça. Puis moi, après, à côté de lui, en tant que commentateur, j'ai passé des moments fabuleux où dans l'exagération, il me faisait rire, j'éclatais de rire. Il avait l'exagération de tout, quoi. Il trouvait les mecs qui a trouvé « Ah, c'est formidable, la basuille, là, là, 60 mètres, une touche de 60 mètres !» Et Roger m'était arrassé au premier coup. « Oh ouais, moi j'en enlève 20, tiens, voilà, 40, ça va, ça vous va 40 ?»« Oui, oui, ça me va. » Enfin, on pouvait se permettre de dire, ça ne passerait pas du tout actuellement, mais à l'époque, ça passait très bien, on ne s'en est pas privé, si c'était à refaire, on recommencerait. Voilà, malheureusement, Roger n'est plus là.